Il était temps. Je l'ai. Savi, j'ai la carte d'accès. Super. Va au poste électrique. Il est à côté de l'antenne, à l'intérieur de la clôture. Sers-toi de la carte pour rentrer. C'est bon, Savi. Ok, super. Branche le transformateur. Ah,
Ok. Génial. Maintenant, trouve le panneau de contrôle au pied de l'antenne et allume-le.
Wayne, mets la bonne fréquence sur ta radio quand tu installes l'ampli. Ouais, pigé. Logique, il s'arrête de flotter pile quand j'arrive en haut. M'adresse à tous ceux qui écoutent. Je m'appelle Kyle Crane et j'envoie ce message depuis la zone de quarantaine d'Aran. Le colonel Tanner et le ministère de la Défense vous ont menti. Il reste des survivants à l'intérieur. Ils comptent bombarder Aran. Mais si ça se produit, vous saurez que Tanner et ceux du ministère sont des meurtriers. Merde, il y a bien survivants dans la zone de quarantaine. Hé, hey, vous me recevez? C'était moi une. Crane, c'est vous? Vous me recevez? Qu'est-ce que vous voulez? On veut vous donner une chance de quitter cet endroit infernal. Ah ouais? Et pourquoi ça? J'ai pas trouvé qui avait votre précieux dossier. Vous avez même pas à me payer le reste de mon contrat. On oublie tout ça, Kyle. Il faut savoir tourner la page à présent. Il suffit que vous nous apportiez les notes du docteur Zéré, et nous vous enverrons un bel hélico pour vous sortir de là. Vous savez que je sais ce qu'il y avait dans ce dossier. Vous vouliez exploiter ce virus. Crane. Mais oui, il vous faut un vaccin pour l'opinion publique. C'est votre seule voie de sortie. Essayez de convaincre tout le monde que vous cherchiez un vaccin depuis le début. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Crane. Apportez-nous les notes et tout sera réglé. Vous voulez les notes? Alors attendez mon signal. Savi, tu m'entends? L'ampli est installé. Génial, Crane! Redescends en tyrolienne. Le tunnel en question se trouvera près de l'endroit où tu atterriras.
Ouais, c'est un plan sans accroc. Yeah.
J'ai envoyé un message vers l'extérieur pile au bon moment. Les bombardiers du ministère ont survolé la ville avant de repartir. C'est à ce moment que le GR m'a contacté. Ils veulent que je récupère les notes de Zéré et que je les leur donne afin de persuader la population qu'ils travaillaient sur un vaccin et ne tentaient pas de s'en mettre plein les poches. Qu'ils aillent se faire foutre. J'ai autre chose en tête. Docteur Camden, ici Kyle Crane. Vous me recevez ? Je vous reçois. Vous voulez qu'on se voit ? Apportez-moi les échantillons et je continuerai mes recherches. C'est exactement ce que je comptais faire, Doc. N'oubliez pas que je suis coincé au milieu d'un bon millier de zombies. Affirmatif, je serai bientôt là. Pas de problème. Je ne compte pas bouger. T'intéresse ? Tu cherches un truc ? Je l'ai. Yeah!
entendu? C'est moi, je m'appelle Crane. Prenez l'ascenseur et appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée. Compris. Avec les recherches de Zéré, le docteur Camden a de grandes chances de développer un vaccin. La mort du docteur Zéré m'a attristé. Nous étions si contents de pouvoir étudier le virus d'Aran. Sans oublier que le GRE nous payait bien. Au fait, nous sommes sur le générateur de secours. De nombreux circuits sont coupés. J'ai eu besoin de puissance pour ma dernière expérience. Les générateurs ont chauffé et... J'espère que vous ne m'en voulez pas de radoter à voix haute. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu l'occasion de parler à un être humain en vrai. Oh, et la porte qui mène au couloir principal ne peut être ouverte que manuellement. Vous devrez la débloquer depuis la salle de surveillance. J'y vais.
Maintenant, empruntez le couloir principal. Le labo est sur la gauche. Quand l'épidémie a éclaté, Zéré et moi sommes restés dans la zone de quarantaine pour travailler. Nous devions être protégés par Kadir Suleiman. Rice. Tu parles d'un plan imparable. Ok. Le seul moyen d'entrer dans le labo est par la salle de décontamination. L'entrée est sur la droite. Tout est parti en vrille à la mort du frère de Rice. D'un type avec de simples tendances psychopathes, Rice s'est transformé en véritable monstre. Il faut lancer le protocole de décontamination pour déverrouiller les portes. Ce n'est possible qu'à pleine puissance. C'est là que les générateurs vont nous servir. Allez vers les bureaux. Une fois sur place, je vous dirai quoi faire. Très bien, je m'en charge. Zéré et moi avons pu rester en vie grâce à un agent du GRE. Un type comme vous. L'agent qui nous a aidés était censé repartir en même temps que nous. Mais vous doutez du résultat puisque Zéré et moi sommes bloqués ici. Faites très attention. Comme je n'avais aucune raison d'aller dans ce coin du bâtiment, je n'ai jamais fait la chasse aux infectés. J'ai été séparé des deux autres, mais j'ai réussi à me réfugier ici dans cette clinique. Ma seule option était de trouver un vaccin. Attention, j'ouvre la porte. Vous pourrez atteindre le hall, puis les générateurs. Thank you.
De décontamination. Vous savez, je crois que même si Zéré avait pu sortir de la zone de quarantaine, il serait resté. L'agent et lui se sentaient obligés de rester pour aider les gens. Près de la porte pour démarrer. Thank you.
Crane. Ravi de vous serrer la main. Et maintenant, montrez-moi ces échantillons, s'il vous plaît. Doc, je peux vous montrer une photo ? Non. Attendez. Parfait. On laisse ça tourner, ça va prendre un peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous vouliez me dire, Crane ? Hey ! C'est lui. C'est l'agent du GRE dont je vous parlais. Oh, comment il s'appelait, déjà ? Amir. Oui. Amir Goreshi. Que faites-vous avec cette photo ? Nous avions une amie commune. Les échantillons sont encore bons. Parfait. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas fait tout ça pour rien. À ce propos, où est le reste ? Je sais que Zéré avait préparé deux paquets. On en reparle dans pas longtemps. Pour l'instant, je dois m'occuper de ces enfoirés du GRE. Du GRE ? Crane, faites gaffe avec ces gens-là. Tout n'est que faux semblant. Au fond, ce sont des salauds sans cœur, des menteurs, et prêts à tout. Je sais, Camden, et merci. Je vous recontacte. J'ai vu Camden. Il a étudié les échantillons de tissu du docteur Zéré et a assuré qu'il serait possible de trouver un vaccin s'il avait les notes de Zéré. Celles que Rice a en sa possession. Étant donné que je ne sais pas où Rice se cache, je ferais mieux de discuter avec ces enfoirés du GRE pour voir si on arrive à quelque chose. Je sais, je vais faire gaffe. Je veux simplement comprendre ce qu'il m'a dit.
Troy, j'ai donné les échantillons au Dr Camden. Je vais discuter avec le GRE maintenant. Et tu vas leur raconter quoi? Tout. Je t'appelle plus tard, Troy. Ici Crane, vous m'entendez? Kyle Crane, tu m'entends, pas vrai? Bryce, t'es où? Exactement à ma place, en haut de ma tour. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Mais c'est un monument dédié au chaos, à l'entropie. Elle symbolise le fait de ne pas avoir de maître. Je vais te tuer, pour tout ce que t'as fait à Jade, pour tout, je vais te buter! J'espérais que tu réagirais ainsi. Tu vois, on est en guerre, toi et moi. Une guerre d'idées. Une guerre pour savoir laquelle de nos visions du monde est la bonne. Viens, Crane, viens me voir. C'est pas vous les Américains qui dites toujours « si t'as les couilles ». Tu sais quoi? Laisse tomber. Y a pas de guerre. T'es juste un grand malade. T'as crevé en enfer. Ah non. L'enfer, c'est fini pour moi. Je m'en vais d'Aran. J'ai passé un marché avec nos amis du GRE. D'ailleurs, je voulais te dire que ta radio marche très bien. Ils savent que j'ai une note du docteur Zeret. Ils ont appelé ça les clés du royaume. Dans très peu de temps, un hélicoptère viendra me chercher. Imagine tous les dégâts que je pourrais faire une fois à l'extérieur de cette ville. Bien sûr, si tu penses pouvoir m'arrêter... Espèce de sale fils de pute! C'est bien ce que j'espérais t'entendre dire. Viens me retrouver, Crane. Finissons-en.
Ce taré de Rice s'y attend d'ailleurs. Mais ça change rien pour moi.
Bryce a passé un accord avec le GRE et il va s'enfuir d'Aran avec les notes de Zéré. Je dois l'en empêcher. Ce taré de Rice s'y attend d'ailleurs. Mais ça change rien pour moi.